Bonjour tout le monde, c'est CatDrive. Et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de Resident Evil 2. Donc le let's play. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Et on va continuer cette partie donc. Alors, nous avons retenu, ou récupéré plutôt du moins, la clé. Et direct, on va aller résoudre une petite énigme pour nous mettre bien. Rentel, alors j'ai quoi là? J'ai juste le flingue. Ah, j'ai oublié de déposer les saves. Ah bah ça commence bien là. Voilà, et bien sûr nous avons du pain sur la planche. Alors ici c'est vrai qu'il y avait la petite plante rouge que je pouvais récupérer et ça va être fait comme ça. Combiné, tac, on est bon. Ici bien sûr, petite énigme à résoudre. Bon, rien de dur. Hop là, c'est magique. Ça va rétablir le courant. Voilà. Hop. Et voilà, donc on récupère la fameuse tablette dans son intégralité. Je sais plus d'ailleurs à quoi elle sert juste. Par contre, est-ce qu'il y avait quelque chose ici? Il n'y avait rien, il me semble. Non, il n'y avait rien. Et nous allons en même temps visiter la porte là-haut. Il me semble que d'ailleurs il y a un hunter, hein, une espèce d'hunter là qui nous attend. J'espère qu'il va pas trop nous fracasser. Oh, dur. Ah non, il n'y a personne. Bon bah tant mieux. Mais bon, il me semble que ici de toute façon on peut rien faire pour l'instant. Vu que le scénario il change légèrement, ouais, donc forcément il nous faudra la manivelle ici, donc forcément on peut rien faire pour l'instant. Donc est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Bon, on reviendra ici plus tard donc. Thank you.
puissant. Allez, donc ça nous fait revenir ici. Ok. Ici, normalement, ils sont morts. Est-ce qu'il y a un spray ici? Non, il n'y a rien. Je crois qu'on va avoir un peu de visite là. Non. Bon, commissariat, c'est fait. Vous voyez un peu comment que cette version elle est rapide. Ça n'a rien à voir avec la version européenne de Resident Evil 2. Alors, je réfléchisse. Ici, normalement, au fond, c'est verrouillé. Voilà, c'est bon, c'est déverrouillé du coup. Et je crois qu'il y a du monde ici par contre. Non, ça on s'en fout. Ça, on s'en fout pas, ça par contre. Très intéressant. What the fuck? Pourquoi on le récupère alors que... Ah oui. Oui, forcément, on peut pas passer. J'ai rien dit. D'ailleurs, il y a du monde ici, hein, il me semble. Parce qu'on va récupérer justement le détonateur. Hein. Et forcément... Dégage ! Aïe. Ça commence bien là. Ici. Oui. Quelle, hein, les salopios. J'ai déconné parce que j'aurais dû garder le mélange. Là. Bon, c'est pas grave. Tu crèves toi ou quoi? Tu vas où? À se coucher s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ici? Par contre, lui, l'autre, il va nous faire la fête. Là. Ça c'est fait. Écoute, l'autre ici.
bien sûr, je crois qu'on peut déverrouiller. Et on va tout de suite aller faire sauter l'hélico donc pour libérer le passage. Faire une petite sauvegarde quand même, on sait jamais. Faut plutôt être prévoyant là, dans ce genre de situation. Vu comment qu'ils sont quand même assez assez vénères. Non, on s'en fout, on va les laisser là. Petite save. Allez, on va aller exploser ça. Boum badaboum. Oui, livre, Mister. Bon, on va faire gaffe ici. On sait jamais, hein. Ah, j'aurais dû prendre le lance-grenade, mais c'est pas grave. Hein. Ah bah, on peut pas passer par là. Ah bah, d'accord. Hein. Coucou, tu m'avais pas vu. I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. T'as vu, c'est mon repas de salaud. I was told to look after her. Le salaud. But I failed miserably. Just look at her. Sadique. She was a true beauty. Her skin, nothing was short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. To think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Puis bon, je me tâte à... demander si je dois vous faire un Hero Rebirth maintenant que je peux capturer. On verra ça de toute façon prochainement.
Allez, bon, je sais pas ce qu'il nous a raconté, lui, mais en tout cas, la voie est libre et normalement, on doit rencontrer Sherry Birkin. Bon, petit tigre ici. Vous voyez un peu hein, les graphismes de ce Resident Evil 2. Pour l'époque. Là, il me semble qu'il y a du monde. Et je crois qu'il y a un monster. Monster, Kim Pufras. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien. On va allumer la lumière. Surprise, j'étais caché. Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now. Doucement, doucement. Calme-toi, Cherry. Tu n'as plus rien à craindre. My name's Claire. What's yours? Je suis Claire, Claire Redfield. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant. Near the city limits. The chemical plant? Then, what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. Qui deviendra plus tard une bombe basse à en faire tomber tous les yeux de la planète. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me. Au niveau de tenue vestimentaire. What That's what I was telling you about. It's here. Sherry, wait. Cette même tenue, hein. Finalement, puisqu'on la retrouve dans le 6 avec quasiment le même style de vêtements. Ah, par contre, j'ai pas le fire là. Ah mince. Non, là, ça, c'est l'autre qui est énervé, mais est-ce que je vais l'avoir? Parce que, bon, ça m'inquiète, là. Bon, alors, voyons voir. Ici, normalement, il n'y a plus rien. Je vais prendre quand même le lance-grenade. C'est tout. Ouais, parce que là...
On va quand même pas mourir dans cette partie, hein. Ce sera débile. Peut-être en plus qu'en plus là, il semble que le scénario a changé et que on devrait retrouver ici normalement des Enter. Non, c'est dans la deuxième partie. Enfin, la première partie plutôt avec les... Ah oui, par contre, je crois qu'il y a une porte à déverrouiller là. Déjà dans un premier temps. Non, c'est pas ici, je pense pas. Non, c'est pas ici. On peut aussi d'ailleurs vérifier la porte du haut. On va faire celle-ci avant. Shit, je viens de faire le tour. Bon, c'est pas grave. On va aller ici. Oh là là, c'est pas possible, là je me crois. C'est ici qu'il faut mourir. C'est vraiment pénible, c'est coriace. C'est pas de la tarte, ces zombies là. Fumier, prends ça, fumier. Oh le salaud, vous avez vu un peu comment il s'est... Il s'est jeté au sol là, il m'a défoncé. Espèce de salopio. Petit moment de frisson là. Ah ouais, là aussi il y a du monde. Ouh là là. Ouais, et puis bon, je rappelle, hein, il n'y a pas de visée automatique là. C'est vraiment. Faut vraiment tout faire de soi-même. Instinctivement. C'est pas mal, ça ajoute un peu de piment finalement. T'es mort? Eh non, il est pas mort, hein, c'est ça. Va se coucher s'il te plaît. Salopio. Tu voulais me faire ma fête, hein? Bon, ici normalement, on peut...
peut déverrouiller, voilà. Oh, c'est pas vrai. La rapidité des zombies là, c'est ça décoiffe. C'est agressif, hein, bande de petits salauds. Claire, t'es bourré, Claire. Hein. Non, je dirais plutôt que c'est moi qui suis. Parce que Claire, à mon avis, elle est très bien. D'autres volontaires. Reste couché. Ça, on va tout de suite le combiner. C'est ce que je viens d'user là quand même comme comme balle. Pouf. Tata. Allez voir Tata là. Tiens. Ça décoiffe. Qu'est-ce qu'on a ici? On va se le faire.
nickel. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ici? Une petite note. Normalement, pour l'instant, on ne peut pas ouvrir. Ah ouais, là en plus, je crois qu'il y a des... Il y a des toutous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On garde le lance-grenade. Oui, alors donc forcément pour l'instant on ne peut rien faire. Ouais, puisque c'est normalement c'est Ada qui va nous aider. Forcément. Ici, je me souviens plus. Ah oui, c'est ici qu'il y a les toutous, justement. Petit toutou. Ah, ouais. Oh, j'aurais dû. Ouais. J'aurais dû justement éviter de combiner parce que forcément, ça marche pas. Celle de sauvegarde. D'ailleurs, on va se laisser ici pour cette troisième partie, mesdames et messieurs, pour Resident Evil 2, version GameCube. Et on se retrouvera très très vite pour la suite de cette aventure. Voilà donc, fin de cette troisième partie, et on va justement écraser la première, et donc on se retrouvera ici pour la suite de ce scénario avec Claire. C'est déjà. Par contre, est-ce qu'on peut combiner là? Je me demande ça.
Est-ce qu'on peut combiner justement les cartes de base comme code Véronica? Et là, on peut pas. On peut pas combiner. Bon, c'est pas grave. Bon voilà, sur ce, moi je vous dis à très vite pour la suite de Resident Evil 2 Scénario Clair. Pour la suite, donc pour la partie 4. En attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. C'était 4Drive pour ce Let's Play donc sur GameCube. Voilà donc version japonaise. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une suite. Bye bye.